beaucoup d'événements organisés hein, également, des championnats du monde de handball. Et le Canada. Très sport aussi le Canada. Alors cette porte-drapeau, Miranda Hayes et la Gambie. Ces costumes qu'elle porte. Plus tard, en 2012, à Londres, la guêpe portait le drapeau pour l'équipe de France, Laura Flessel. Bonjour. J'ai perdu aussi, hein. Oui. J'ai beaucoup perdu, mais c'est vrai que ce palmarès aussi, c'est plus de 20 ans de carrière. C'est fantastique, c'est énorme. Effectivement, c'est une concrétisation d'un travail, mais c'est en fait un travail d'équipe. C'est vrai qu'on voit souvent le porte-drapeau, et Marie-Jo l'a dit, cette année, on a deux porte-drapeaux. On a voulu marquer, gérer ce côté équitable. Et effectivement, lorsqu'on porte le drapeau, c'est l'amour du pays, c'est l'amour de son gérer de sa patrie, c'est l'amour aussi de sa famille sportive. Mais lorsqu'on regarde, et je vous remercie d'être là parce qu'on va avoir besoin de vous, c'est aussi l'amour aussi de chaque Français qui a une passion dans le sport. C'est-à-dire qu'on est au début, on arrive de la Guadeloupe, effectivement. Moi, j'étais la petite Guadeloupéenne. Lorsque j'ai fini en 2012, j'étais la porte-drapeau d'une équipe pluriethnique, intergénérationnelle, la plus jeune avec 14 ans, le plus ancien dans l'équitation avait plus de 50 ans. Mais en fait, on était tous Français. Et ce qu'on voulait, c'était faire briller et montrer que le sport était une vraie réponse aux valeurs qu'on défend. C'est l'unité, c'est la solidarité, mais il y a l'excellence aussi. Donc c'est vrai que c'est un joli défi. Et j'ai eu à cœur aussi d'être avec les médaillés, mais aussi ceux qui ont échoué, parce qu'effectivement, on parle de médaillés, mais on ne revient pas tous médaillés. Et l'idée était aussi de partager ce temps géré avec ceux qui nous revenaient sans médaille, parce que c'est plus de 4 ans de préparation, 4 ans de doute, de blessures, d'interrogations. Et lorsqu'on a l'amour du maillot, ben on s'engage, peu importe le résultat. Et ce qu'on veut, c'est ne pas avoir à regretter le lendemain. Mais souvent, c'est dur.